Et oui les amis, comme vous l'avez compris, c'est bon enfant, on est là pour s'amuser. Halloween est tout de même une fête, on n'est pas là pour se faire trop de frayeur. Que du plaisir les amis. La saison d'Halloween, une des périodes que j'apprécie le plus en tout cas. Malheureusement que je trouve qu'on ne fête pas assez. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui les amis, pour cette première vidéo d'Halloween, on se retrouve sur Planet Coaster Asylum, qui est un parc d'attractions indoor. Donc un parc d'attractions intérieur à thème. La thématique, vous l'aurez compris, c'est l'horreur. Halloween. Cette map a été créée par Cree55Y. Il y a deux montagnes russes, une tour, quatre flat rides et une attraction aquatique. Voilà, autant vous dire que ça a l'air d'être une dinguerie pour le coup. Donc j'ai hâte de visiter, de rentrer à l'intérieur. Donc voici en fait l'entrée. Le seul moment où on est à l'extérieur du parc, eh bien c'est l'entrée de ce château. On est dans la forêt perdue et au beau milieu de nulle part. Dans cet asile, voilà, c'est un asile au final, voilà. D'ailleurs, c'est rigolo parce que voir ça, ça me fait vraiment penser à l'asile dans, justement, dans Call of World at War. Voilà, pour ceux qui auront la ref, le mode zombie. Bref, très sympa. On va rentrer, on va découvrir. Ça m'a l'air d'être ultra complexe, ultra complet surtout. Voilà. Regardez-moi ça, on est quand même sur un niveau, voilà, sur un niveau assez extrême, si je puis me permettre. Donc, voilà, les éléments de décor... Je vais pas vous les faire un par un, je vous laisse admirer parce que vraiment il y a de quoi dire et de quoi faire. Et jamais j'aurai la patience de faire quelque chose comme ça. Déjà là, voilà, je pense qu'on. Voilà, ceux qui jouent beaucoup à Planet Coaster, vous vous rendez compte quand même de la dinguerie dans laquelle nous sommes. D'accord. Ah, on a une porte ouverte ici. Oh. Oh là là. D'accord, ça mène à une. Oh là là. Oui, oui, on va pas y aller. On va pas y aller. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Déjà, ici, on a la tour. Alors, elle n'est pas en action. Elle n'est pas en action. Alors, attendez, je vais la mettre en mode test. Et je trouve ça trop cool parce que les visiteurs qui se promènent là vont pouvoir voir les gens dans ce manège-là passer. Si je dis pas trop de bêtises. Voilà, on les voit passer. Et eux, par la même occasion, nous voient également dans le chemin. Alors, peut-être un petit peu dangereux en effet. Parce que là, il n'y a pas de barrière. Donc à tout moment on peut tomber. Et ça flash dans tous les sens ici. Bref, allez, avançons. Ne regardons pas trop ce tableau. Et on a des flat rides déjà qui nous attendent. Alors on a un chemin à droite. On a un chemin à gauche. Les deux descendent. Là les principales montent. On se retrouve en plein dans un flat ride. Oh purée, c'est légendaire. C'est légendaire d'avoir fait ça. Alors je vais vous dire, vous savez ce flat ride, c'est le truc qui tourne en rond. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Ce truc là n'a aucun intérêt selon moi, d'accord. Là par contre, je dois vous avouer que dans ce contexte, c'est absolument incroyable. Que ce soit pour ceux qui sont dedans ou pour ceux qui sont dans l'allée comme nous actuellement. Incroyable. Et on se retrouve ici avec la sortie de ce flat ride également là. Très bien, avec des arceaux électriques et tout. Il s'est fait un plaisir, il a vraiment tout thématisé. Et même quand tu regardes, bon, on va s'amuser à survoler un petit peu le tout autour. Mais voilà, tout a été vraiment thématisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors attendez, là on a pris la sortie. Donc j'imagine que là c'est la file d'attente. Bonjour monsieur. Oh là là, bah, on est dans un asile, je le rappelle, c'est un asile. Donc là on a les ordinateurs, etc. Caméra, ouais d'accord. Il y a les caméras de test, un peu de laboratoire comme on dit... Ok, donc vous voyez la file d'attente quand même relativement cool. Et hop, on rentre par ici. Très bien. Alors, on va prendre le chemin à droite qui descend ici. L'ambiance est ultra pesante. Waouh. Ah, c'est... Ah oui, puis il y a un chemin à droite. Alors attendez. Ça part dans tous les sens. Là, on a une file d'attente. J'y vais. Des chaises, évidemment, qui bougent toutes seules. Ok, c'est un flat ride, j'avais pas fait attention. Donc qui tourne vraiment, c'est de la psychose hein. Ça te met dans un sale état, on se croira à la fête foraine frérot. Et vraiment super bien fait, il est entouré avec Sensory Overload, ouais c'est ça. Il a entouré ça en mode, c'est vraiment dingue. C'est complètement barge. Elle est où la sortie? Elle est en face. Donc la sortie c'est par là. Tu peux faire le tour en soi par là, mais je pense que... c'est par là. Ouais, en fait, il a fait ça en mode RP. Il n'y a pas de vraie sortie dans Planet Coaster là. Mais il a fait ça en mode RP. C'est du génie. C'est tout simplement du génie.
Ah non, j'ai rien dit, la sortie est vraiment là. Non, non, pardon, excusez-moi. Non, non, c'est vraiment, vraiment chouette. Ok, et ça continue de descendre, pardon. Ok, bah écoutez, on va continuer dans cette direction. Non, attendez, d'abord là-bas. Attendez, on vient de là, hein. Je suis perdu, on vient d'ici, tout à fait. Donc si je vais par là-bas, on a quoi? Alrastenhaus. Alors c'est un Allemand aussi, hein, qui a fait cette map, je crois. Alors moi, l'horreur combinée à l'allemand, c'est le combo magique. Ah oui, d'accord. Oh putain. Oh la dingue. Oh là, j'ai la tête qui tourne, voilà. Ah oui, c'est vraiment le lit. On est dans un asile, hein. Voilà, on est dans un asile. On va pas rester trop longtemps ici. c'est ça ce que j'aime, quoi. C'est, bon, on va voir les coasters. J'ai hâte de voir les coasters, mais juste l'ambiance suffit largement, en fait, hein. Tu ne peux pas te cacher. Oh là là, avec le sang qui coule, l'ambiance incroyable. Electric shock. Ok, une file d'attente. Pour les chocs électriques, bien sûr. Oh. Et c'est un coaster. C'est un coaster. Ok, alors on va mettre pause. On va regarder rapidement. Voilà la thématisation de la station. Très bien. Il a réussi à prendre des trucs futuristes pour en faire un truc de laboratoire. Et c'est très très fort. C'est absolument glauque. C'est formidable. Voilà. Bah écoutez, je suis déjà dans le wagon, c'est super. Est-ce qu'on met les résultats des tests? Non, pour le coup on va pas faire ça. Par contre il faudrait quand même qu'on lance la machine. Hop. Et voilà, on va se mettre bien comme il faut, sans le HUD. Et on va tout simplement se régaler les amis, c'est parti. Ah, on va en arrière. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Ça c'est très très fort. Ah, ça fait juste ça. Cela dit, c'est très très fort. Ouais, ok, c'est bien la fin, ça s'est terminé. Ok, c'est très très fort, cela dit. C'est une très très bonne idée d'avoir fait ça. Putain. Je surkiffe, voilà, il m'en faut peu là, hein, ça y est, hein, je vais vous dire, mais là, l'ambiance est déjà tellement exceptionnelle, donc la sortie est par là, hop hop hop, et ok, donc en fait c'est un cul-de-sac ici, on revient au point de départ, donc ça c'est parfait, j'avais peur de me perdre en fait, pour être honnête avec vous. Là cette pièce elle est incroyable, hein, vraiment cette pièce là elle est vraiment incroyable. Ok, donc là on aura vu, alors on a deux choix qui s'offrent à nous, ici ça descend, ça continue de descendre, moi je vous propose qu'on reste d'abord au niveau supérieur. Donc on va remonter. Donc l'entrée là, elle est principale juste ici. Ok, ah, là on se sent un petit peu mieux quand même. Hop. Et là on va descendre sur le côté gauche. Ok. Ah, ça continue encore et encore de descendre. Bon, je pense que tout va se rejoindre à la fin. Ah ouais, non. Là par contre, ce qui nous attend. Oh, je veux pas spoil, mais ça a l'air incroyable. Alors, elevator. Ah, juste ici, on va voir l'ascenseur. Donc là c'est la file d'attente. Regardez tous ces petits détails. L'ascenseur, donc, la tour infernale, qu'on a vu sur l'allée principale. Donc c'est juste ici. Hop, parfait. Alors on va juste lui demander de revenir. On se met dedans. Et là, à mon avis, l'ambiance va être masterclass. J'ai hâte de voir, franchement. Donc c'est bien plus qu'une tour infernale, bien sûr, hein. C'est vraiment juste de l'animation. Donc on a des portes qui s'ouvrent, on tourne à droite, on tourne à gauche. On va voir différentes scènes. Donc voilà, l'allée principale qu'on vient de passer. Oh là là, il y a des câbles. Ah, voilà. Ah, c'est sympa. Ils sont en train de brûler les... Oh mon dieu. Eh, c'est fort ça, on se rend... Eh, je sais même pas comment il a fait ça. On se rend pas compte, mais c'est très très fort. Wouah. Ça manque juste de cris... Ça manque juste de cris des visiteurs. Voilà, il y a plein d'araignées, c'est pas le plus flippant là. Sauf pour les arachnophobes.
You can't hide. Tu ne peux pas te cacher, bien sûr. Insane. Et là, on revient en arrière, je crois que c'est fini. Ok, on est de retour à la station. My god, les scènes sont vraiment géniales. Hein. Les scènes sont vraiment super bien faites. Hein. Franchement, c'est ultra propre. J'ai adoré. La sortie par ici. J'ai adoré. Ok. Donc là, maintenant, écoutez, on va descendre par là. On va descendre par là. Il y a un chemin à droite, donc j'ose imaginer que ça va rejoindre. Tout à fait, regardez. Juste ici. Voilà, on était là tout à l'heure. Donc ça rejoint, c'est bon. Alors, insulation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas, on va suivre. Les files d'attente, c'est super clean, c'est incroyable. Ah, bah c'est le flat ride qui tourne. Bah tu vois, j'aurais même pas fait le lien. Donc c'est le fameux flat ride qui tourne. Hein. Donc t'es dedans. Tu te retrouves à l'envers, au-dessus de la file d'attente. Oh là là, c'est... ça rend super bien. Alors du coup, c'est... parce que je sais plus si je suis à l'endroit ou à l'envers. Voilà, là je suis à l'endroit. Non, là je suis à l'envers, MDR. J'avais pas capté, voilà, je... à l'endroit. À l'envers. Tu sais plus dans quel sens t'es, c'est vraiment dingue. C'est complètement dingue. Et donc la sortie... ah, c'est par ici. Non, c'est pas par là. Ça doit être par là, ouais. Ok. On a une porte ici. Ah bah des toilettes. Il a pensé à faire des toilettes. Alors personnellement, je n'irai jamais dans les toilettes d'un truc comme ça, mais... Oula. Ça doit être les backstage. Il n'y a rien à voir derrière. Ouais, ça doit être les backstage. Ouais, c'est ça. Avec les réserves et tout. C'est très très fort. Oh, un coaster. Ouh. Alors, on va essayer de trouver l'entrée de ce coaster. On a... non, alors ça... mais mec, là, c'est trop... ça donne pas envie de se restaurer. Franchement, là, jamais de la vie je m'assois. Enfin, si, je peux m'asseoir parce que c'est stylé. Mais jamais je bois un coup ici. Jamais je mange ici. Hein. Mais c'est une super bonne idée. Hein. Mais jamais de la vie. Hein. Mais même là, frère. Même là, frère, pour le RP, c'est super chouette le bazar. Mais il fait comment le staff pour y aller, quoi. Putain, c'est incroyable. J'adore. C'est complètement fou. Je suis tellement heureux de faire cette vidéo, les amis, je vous jure. Je suis tellement content de découvrir ce parc. Voilà, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Voilà, encore des chambres... de l'asile, je sais même pas comment qualifier. Enfin, c'est vraiment les asiles, les clichés des asiles comme ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Et encore, moi je m'y connais pas trop en asile de toute façon. Donc, oh, on a des bateaux, les bûches. Donc, ça, c'est l'attraction aquatique. Ok, ça risque d'être bien sympa. Emergency exit, c'est une sortie de secours. Attends, est-ce que c'est une vraie sortie de secours ou est-ce que c'est le nom d'attraction? C'est totalement le nom d'attraction, voilà. Oh purée. Ah ouais, la station. Eh, c'est gavé, hein, c'est incroyable. C'est vraiment fort. Hein. J'ai envie de tout savoir comment il a fait, quoi. Oh, c'est très très fort. Bon, écoutez, on va se mettre dans le premier bateau. Et on va tout simplement voir ce qui nous attend, bien sûr. Avec bien sûr des araignées. Allez, on a le lift. Est-ce qu'on va vraiment parler de sensations? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que côté frisson, on devrait être pas trop trop mal. Ok. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Oh, le squelette qui tenait la bougie. Ah, c'est chouette, hein. Ah, c'est très très chouette. Monsieur, bonjour. Ouais. Superbe. Non, ça j'aime pas par contre. Ça j'aime pas. C'est normal si vous ne voyez rien. Oh là. Descente. Descente aux enfers. Waouh. Et c'est magnifique. Eh, hey, c'est vraiment magnifique. Eh, hein. Hey, je vois ça, je vous jure, j'ai envie de faire des vidéos sur Call of en mode zombie. À l'ancienne. World at War.
ça vous intéresserait une vidéo sur la map Asylum, justement la map d'asile sur Call of Duty World at War. Est-ce que vous voulez voir ça les amis sur la chaîne? Comme ça on reste dans le thème de l'asile. Complètement dingue. Faites-le moi savoir en commentaire. Pauvre squelette qui tient la bougie. À bout de bras, à bout d'os si je puis dire. Incroyable. Et l'ambiance, les bruits sonores, je parle beaucoup mais voilà, vous l'entendez. L'aspect sonore est également incroyable. C'est complètement dingue. Ah, on est quand même sur un autre niveau de... Et on a encore un lift. Ah, je pense que c'est pour se remettre au niveau de la station. Pas du tout. Pas du tout. Oh my god. Ok, on a encore une petite descente. A tes souhaits. A tes souhaits. Ok. Superbe. C'est fort, c'est très très fort. Et on arrive à la station. C'est très très fort. Boum. Oh les gars, hey, j'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez les amis, franchement? Parce que c'est très très lourd. C'est très très lourd. Alors attendez, par là. On revient ici, ok. On revient là. Là, conserva. Conservatoire. Donc c'est le flat ride là qui tourne, hein, on va pas le faire, mais juste regardez-moi cette ambiance quoi. Regardez-moi cette ambiance, c'est complètement dingue. Et on a les bûches juste ici qu'on vient de faire. Juste à côté quoi. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue tous ces décors. Vraiment hein. Alors, moi j'aimerais faire des coasters parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coasters. Ah, j'avais pas vu l'entrée cachée ici. Ok, let's go. On a la sortie à côté, on a l'entrée juste ici. Je suis chaud de night. Notre premier coaster les gars. Enfin, deuxième coaster du coup au final parce que l'autre c'est un coaster malgré tout. On est type... Oh là 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 là, ta gueule, pardon. Excusez-moi. Oh c'est beau. C'est absolument mythique. Allez, on a un launch. Ah ouais. Oh là là, c'est beau. C'est beau, dites-moi. Ah ouais. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur Planet Coaster, on est dans un jeu... Alice au pays des merveilles, c'est incroyable. C'est complètement dingue. Écoutez, je suis désolé, j'ai que ça à la bouche. Hein. Pour des raisons assez évidentes. Ah ouais, c'est fort, franchement. Ah ouais c'est fort, on est de retour à la station. Les amis, téléchargez-moi cette map les gars. Téléchargez-moi cette map, je la mets évidemment en description. Allez voir par vous-même, amusez-vous à voir les backgrounds, voir comment ça a été fait tout ça parce que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort et il y a de quoi s'inspirer franchement. Hein. Regardez-moi, on voit le layout à travers. Non franchement c'est vraiment 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 fort. Est-ce qu'on a tout vu? J'ai l'impression que oui. Puisque là du coup on a tout vu. Là en bas on a fait, mais bien sûr. Oh, bien sûr, on a tout vu. Là. Oui, c'est ça. Et puis là on peut remonter ici. Ah, c'est fort. C'est très très fort. Et ça, franchement, c'est gros GG. Hein. Non, franchement, c'est très 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 fort. J'ai adoré. J'ai adoré découvrir cette map. Oh là là. Et là tu ressors, c'est le calme. Oh, qu'est-ce que vous en avez pensé les amis franchement? Mais quelle dinguerie bordel. Oh,
Franchement les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, le commentaire qui fait plaisir, j'ai hâte de vous lire, vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vais essayer de vous faire d'autres petites vidéos dans le thème d'Halloween, dans le thème horrifique. On va en profiter puisque cette saison, bien sûr, toujours bon enfant. En tout cas les amis, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur Azilium, la map de World at War, le mode zombie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis d'autres vidéos par-ci par-là, on va voir comment ça va se passer. En tout cas les amis, je vous kiffe, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous, ciao tout le monde.